C'est un grand plaisir de pouvoir continuer à servir à la division intereuropéenne et avec tous les leaders des territoires que nous représentons. Nous avons un message très spécial pour le monde aujourd'hui. Les personnes sont un peu perdues dans le désarroi, sont déprimées, angoissées, mais nous avons un message d'espoir. Dieu nous demande que nous puissions aller et dire qu'il y a un futur, il y a un avenir pour les personnes. Et nous devons voir notre mission comme des personnes qui incarnent les principes de l'Évangile, le principe de l'amour au prochain et aussi le principe de l'amour à Dieu. Nous servons parce que nous aimons notre Dieu, un Dieu qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils pour nous racheter, pour donner du sens à notre vie. D'ailleurs, la vie n'a pas de sens si on n'est pas connecté ou intimement connecté avec Dieu. Je souhaite les plus grandes bénédictions à tous nos membres d'Église, à toute la famille adventiste de nos territoires et je désire sincèrement que tous ensemble, nous puissions passer ce message d'espoir et d'amour au monde. C'est ma prière et je vous souhaite tout de bon.